Quand on regarde la couverture du livre, on voit un homme avec un front dégarni, une chemise simple, pas de fioritures, des lunettes rectangulaires, légèrement arrondies. Un regard juste et rassurant. Quand on regarde mieux la photo, on devine presque un sourire. Il se tient l'épaule ou il appuie sa joue sur son index. Deux positions apparemment anodines, mais qui ont beaucoup de sens. Celle du soutien et celle de l'écoute. Derrière le sourire, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Et quand on l'écoute, il a une voix douce, grave, calme, posée. Il pèse ses mots. Des mots intelligents qu'il a mûrement réfléchis. Et pour cause, c'est la vie qui les lui a enseignés. D'aucuns diraient qu'il n'est pas né de la dernière pluie. C'est sûr qu'à 84 ans, Boris Cyrulnik, c'est un orphelin qui a vécu. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié. La grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez Les Orphelins Résilients. Boris Cyrulnik naît à Bordeaux en 1937 et il vit là-bas le début de la Deuxième Guerre mondiale. D'une famille juive, son père s'engage dans la Légion étrangère et donc Boris Cyrulnik est séparé de son père quand il a 2 ans et sa mère se fait arrêter quand il a presque 5 ans et elle est immédiatement déportée à Auschwitz. Il sera placé à l'assistance publique et ensuite recueilli par une institutrice. Il reverra brièvement son père dans un camp militaire et ensuite son père se fera arrêter et déporter. À 6 ans, Boris Cyrulnik, il se fait arrêter par des hommes armés qui sont venus pour le mettre à mort. Il le réveille en fait, à ce moment-là donc il est chez cette institutrice. Il le réveille avec un revolver, avec une torche électrique dans l'autre main. Et à 6 ans à peine, il est arrêté, emprisonné, emmené dans une synagogue qui lui servira de prison. Par chance, il arrive à s'en évader avec l'aide d'une infirmière. Ensuite, il sera caché par un réseau résistant. Il va changer de prénom pour le nom de Jean Laborde jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, il sera ensuite élevé par sa tante maternelle à Paris. Donc de son vécu d'orphelin, puisque donc son père, il l'a presque pas vu à partir de ses 2 ans. Il ne l'a revu qu'une fois avant qu'il soit déporté. Et sa mère, il ne l'a plus vue après ses 5 ans, puisqu'elle a aussi été arrêtée et déportée et morte à Auschwitz. Forcément, Boris Cyrulnik, il a gardé des souffrances et des difficultés qu'il raconte, des difficultés à contrôler ses émotions, une sensibilité très forte et très accrue aux signaux du danger, parce que dans cette période-là de son enfance, il était constamment en danger de mort, recherché par les Allemands et il risquait à tout moment d'être exécuté. Et il vit aussi des réminiscences traumatiques quand il repasse devant sur les lieux de son arrestation, quand il sera plus grand. Il a aussi, dans ses difficultés, la représentation des adultes comme des ennemis et des Allemands qui paraissent tantôt sympathiques, qui vont lui donner des bonbons et qui tout à coup se glacent et peuvent devenir un danger de mort. Ou encore d'autres adultes qui croisent et qui refusent de l'accueillir, qui voient en lui un vrai danger et donc qui le rejettent. Et il va en avoir des troubles comportementaux traumatiques. Il décrit cette période de sa vie comme une période d'étourdissement, comme une période où il était engourdi. Il raconte par exemple qu'il avait un comportement qu'on retrouve chez les enfants abandonnés, qui est un comportement autocentré. Il raconte qu'il se léchait les genoux et que c'est ce comportement-là qu'on retrouve chez les enfants abandonnés et qui sont isolés sensoriellement. Et à cet âge-là, donc quand il avait 6 ans, il ne savait ni lire ni écrire, il n'avait pas de copains, il n'avait pas accès à la musique, et donc il en a eu des difficultés à parler, des difficultés à exprimer cette souffrance. Et il raconte aussi qu'il a été
Il a été double, plus tard, en grandissant, parfois inventif, parfois gai, actif, mais parfois très sombre et très renfermé, voire coléreux. Et quand les autres adultes qu'il va croiser après, avec qui il va des fois vouloir raconter cette histoire, ça ne sera pas toujours évident parce que la pitié des adultes l'écrasait quand on le plaignait de son sort. Et il recevait aussi parfois des commentaires déplacés, comme par exemple une fille qu'il a croisée, à qui il a raconté son histoire et qui lui a dit « à ta place, je serais morte avec ma famille ». Ou encore un curé qui lui a carrément dit que pour que sa famille, pour que ses parents soient punis d'une manière si terrible, c'est qu'ils ont dû commettre de grandes fautes. Donc il avait ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment de ne pas être normal. Et heureusement, par chance, sa tante qui l'élève à Paris, chez qui il est recueilli après la guerre, va l'aider à se reconstruire dans un contexte bienveillant, avec gentillesse et avec une certaine force. Et très rapidement, à cet âge-là, il avait 10 ans, il est devenu le premier de la classe. Et à 11 ans, il écrit dans une rédaction qu'il veut devenir psychiatre. Et quand il devient adulte, ensuite, il a besoin de comprendre la psychologie, il a besoin de comprendre la psychiatrie, il a besoin de comprendre et il cherche à comprendre et expliquer la folie du nazisme, comprendre l'absurdité de l'enfance dans laquelle il a grandi, l'enfance qu'il a vécue. Il raconte, je le cite, « Pour maîtriser ce monde et ne pas y mourir, il fallait comprendre, c'était ma seule liberté. » Donc il va faire des études secondaires, puis des études supérieures à Paris, en médecine, en psychiatrie et en psychanalyse. Il va devenir auteur, il va écrire et coécrire plus d'une cinquantaine de livres, ses mémoires autobiographiques, des essais scientifiques, ses recherches en psychiatrie et en psychanalyse. Il va aussi faire des recherches, des études en éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement des êtres vivants pour comprendre aussi le comportement des êtres humains, le comportement amoureux, la sexualité, le couple, la famille. Et il va se marier en 1964 avec une femme médecin et peintre. Et il va avoir deux enfants avec cette femme. Et aujourd'hui, Boris Cyrulnik est surtout connu pour ses livres et son travail sur la résilience. Il a d'ailleurs obtenu la Légion d'honneur en 2020. Et la résilience, c'est vraiment ce qui incarne son histoire, en fait. La résilience, il l'a décrit comme ça, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme, la capacité à se remettre d'un événement traumatique et comment le contexte sensoriel, le contexte affectif impacte cette résilience. C'est un concept qui est assez ancien finalement parce que c'est un concept qui est déjà apparu au XVIIe et au XVIIIe siècle dans la philosophie et dans la médecine américaine. Mais Boris Cyrulnik, il a aidé à fortement le démocratiser en France et à travers le monde et à le remettre au goût du jour. Et la résilience, c'est vraiment son histoire. Voilà pour l'histoire de Boris Cyrulnik. Je voulais ouvrir avec cet épisode une mini-série dans le podcast qui traite sur le parcours de vie d'orphelin résilient connu. Dis-moi en commentaire dans le groupe Facebook ou sur Instagram si ce type d'exemple, si ce type d'histoire, c'est des choses qui t'inspirent et qui te motivent. Et si ça te plaît, je referai d'autres épisodes sur ce modèle où j'irai explorer aussi le vécu d'un autre orphelin qui est devenu célèbre. Et c'est des épisodes qui reviendront ponctuellement dans le podcast. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera des répliques de ta blessure d'abandon en tant qu'orphelin, les situations où elle peut réapparaître et comment on fait pour
briser ce cercle des répliques de cette blessure.